Alors, bonjour à tous. Laetitia, tu vas nous parler d'un ou de tes soins, pardon, en rapport avec deux personnes différentes, mais qui ont apparemment la même problématique. Donc, tu vas nous en parler maintenant. C'est ça, oui, effectivement. Raconte, ce sont deux personnes. Ben j'en parle parce que ça peut toujours interpeller d'autres personnes qui ont peut-être le même problème, on va dire, hein, comme c'est un problème qui est assez fréquent. Actuellement, c'est un problème de dos, mais plutôt côté lombaire, on va dire. Et donc, j'ai deux personnes qui avaient des problèmes de dos. Et puis, je voyais bien qu'il y avait un souci, mais ce que j'ai fait, c'est cette fois-ci, j'ai contacté l'inconscient de la personne, de ces deux personnes, d'une façon, enfin, séparément, évidemment, quoi. Et je lui ai dit, mais pourquoi t'as mal au dos? Qu'est-ce qui fait que t'as mal au dos? Et l'inconscient me dit, je n'ai pas été soutenue dans la vie. Et quand je lui ai montré qu'en fin de compte, il n'avait pas été soutenu dans la vie, mais quand il était jeune, effectivement, par rapport à la problématique de la personne, ils n'avaient pas du tout été soutenus dans leur jeunesse. Ça n'avait pas été génial. C'est vrai que c'était une jeunesse qui n'était pas géniale. Sauf qu'il a oublié de faire une mise à jour. Et ce que j'ai fait dans ma séance, c'est que j'ai fait une mise à jour, même par rapport à l'inconscient. Et quand j'ai fait la mise à jour, eh ben, la personne qui me parlait, tout d'un coup, elle a mis sa colonne vertébrale plus droite. Mais psychiquement, évidemment, elle n'était pas droite, elle n'était pas bossue, mais elle est redevenue droite parce que l'inconscient avait fait sa mise à jour. Et cette personne-là a eu ce que s'appelle cette colonne vertébrale psychique qui s'est remise droite. Effectivement, la personne avait beaucoup moins mal au dos. Et une autre personne, c'est qu'en fin de compte, aussi, c'est qu'on ne lui avait pas donné le soutien, c'est qu'il demandait à ce qu'il ait raison. Sa vie, effectivement, a été assez, avait pas été géniale. Et c'est comme si on lui donnait pas forcément d'importance à sa vie. On l'avait pas soutenu. Et on lui donnait pas, entre guillemets, raison. Et quand on lui a dit, mais non, non, tu as raison, effectivement, cette vie était pas géniale. Je lui ai dit, mais maintenant, quand tu étais jeune, c'était comme ça. Mais maintenant, il y a une mise à jour à faire. Et quand on l'a soutenu dans sa problématique, quand tu lui as dit qu'effectivement, il avait raison. La vie n'était pas géniale, on va dire, et que maintenant il fallait faire une mise à jour. Oh, 2 jours après, cette personne-là, ce mal de dos qui traînait depuis des années, hop, il ne l'avait plus. Tout ça parce qu'en fin de compte, dans sa jeunesse, il n'avait pas été soutenu. Et le mot pour lui de pouvoir, on va dire, comme on parle de mot de pouvoir, c'est le soutien, être soutenu. Voilà. Alors, est-ce qu'on pourrait dire que chacun de nous, on a, on va dire, des mots inconscients, en fait, qui peuvent nous parler, qui peuvent nous aider à dépasser comment dire, des freins qu'on peut avoir dans la vie ou... Que ce soit un frein psychologique, ça peut être aussi un frein même physique, parce qu'après, la physique est là pour nous montrer qu'on a un problème psychologique en amont. Et après, quand c'est physique, c'est que vraiment, on ne l'a pas vu ou qu'on n'avait pas la force de le traiter. Mais c'est vrai qu'au début, c'est ça. C'est comme des mots de pouvoir. Et si on dit le bon mot, c'est l'inconscient qui le dit, pas moi qui le dis, c'est l'inconscient. Donc j'interroge l'inconscient pour savoir qu'est-ce qui se dit. Et la personne, tout d'un coup, dit oui, non. Et tout d'un coup, c'est là qu'elle change, qu'elle commence à changer son comportement. Elle se dit, mais c'est vrai. Et là, il y a un travail qui se fait après, intérieurement, avec la personne. Alors, si vous avez des questions par rapport aux soins de Laetitia, par rapport à ce qu'elle fait ou par rapport à... Ça peut même vous aider, Oui. cette petite vidéo par rapport à cette Oui. inconscient. Le soutien, ça peut être aussi autre chose, mais là, c'est effectivement le soutien qui fait que ben, dans cette vie-ci, ben, il n'a pas été soutenu par son père, il n'a pas été soutenu par sa mère, mais il n'a pas été soutenu après, ce qui fait qu'à la fin, enfin à la fin, intérieurement, on n'est pas soutenu par sa propre femme, qui peut être sa compagne, on va dire sa femme, mais sa femme aussi intérieure, qui ne le soutient pas, donc une sensibilité qui ne le soutient pas. Alors, si vous avez envie de nous partager ça en commentaire ou nous poser des questions, n'hésitez pas en bas de cette vidéo. Merci, à bientôt. À bientôt.